Tu as passé une bonne nuit, Noah? Ah ouais, je peux avoir mes cadeaux, s'il vous plaît? Quoi? Mes cadeaux, le portable. Mais bien sûr, tiens, c'est de la part de ton père et de moi. Waouh, un nouveau portable, merci. Je sors. Quoi? Tu restes pas avec nous pour Noël? Tiens, une enveloppe ta grand-mère. Je sais, merci. Noah! Tu as passé une bonne nuit, Noah? Ah ouais. Tu me donnes le portable, s'il te plaît. Quoi? Quoi? Le portable. Mais bien sûr. Tiens, c'est de la part de ton père et de moi. Génial, je sors. Quoi? Tu restes pas avec nous pour Noël? Tiens, une enveloppe ta grand-mère. Noah!
Ça va? Oui, oui, merci. Attends, je t'aide. Merci beaucoup, c'est gentil. Ben, c'est normal. Ça arrive plus très souvent, ce genre de truc. Je peux faire quelque chose pour toi? Ça dépend, quoi. Je sais pas. Je passe Noël tout seul. Ça te tente d'aller boire un verre? Ouais, pourquoi pas. J'ai une heure, ça te va? Ok. Et tout est dit grâce à la métaphore des aveugles. On comprend la vision du personnage, sa psychologie, son caractère. Enfin bref, je suis fan de Baudelaire. Ah merde, je suis en retard. Bah, j'espère que je t'ai pas ennuyé avec mes histoires de littérature. Je sais que ça passionne peu les gens en général, alors... Non, t'inquiète. C'était super intéressant. Vraiment, on voit que t'es passionné. Ça se perd aujourd'hui. Merci pour tout. On pourrait se revoir demain? On pourrait, ouais. Bah, alors on se dit ici demain à 10h. On fait comme ça. Super. Bah, à demain alors. À demain. Ah! Tu as passé une bonne nuit, Noah? Super! Tu peux me donner les cadeaux, s'il te plaît. Quoi? Bah, le portable. Mais oui, bien sûr. Tiens, ça c'est de la part de moi et de ton père. Merci, maman. À plus! Quoi? Tu restes pas avec nous pour Noël? Non, j'ai un truc à faire, absolument. Noah! Qu'est-ce qu'il y a, maman? Bah, tu pourrais faire l'effort de rester avec nous, non? Bon, d'accord. De toute façon, tu te souviendras plus de rien. Bah, qu'est-ce que tu racontes? Laisse-moi parler, s'il te plaît. Bah, vas-y. Tu vas sûrement pas me croire, mais je suis bloqué ici. Je reviens en boucle cette journée. Tout a commencé il y a quelques semaines, voire quelques mois. J'avais passé un Noël avec vous, tout était très agréable. Mais le soir, en allant me coucher, je ne me doutais de rien. Le lendemain, en me réveillant, la journée recommençait dans les moindres détails. Alors sur le coup, je me suis dit que je rêvais ou que je devenais fou. Mais le surlendemain, tout était encore identique. J'ai encore mis quelques jours avant de vraiment comprendre. Tout cela était devenu une torture. Vivre les mêmes choses tous les jours. Entendre les mêmes phrases. Savoir ce qui allait se passer à chaque instant. C'est comme si le cerveau n'est plus du tout stimulé. J'ai donc logiquement cherché un moyen de sortir de cette boucle infernale. J'ai tout essayé. J'ai fait des recherches sur la physique du temps, sur les paradoxes temporels, mais j'ai rien trouvé. J'ai même essayé d'en finir pour sortir de cette prison. Mais rien n'y fait. Alors j'ai commencé à sortir, pour aller me balader, pour changer d'air. Et au moment où je commençais à me faire à cette situation, j'ai traversé la frontière avec le nouveau portable que je recevais chaque jour. D'habitude, il disparaissait et je le retrouvais au pied du sapin, comme tous les matins. Mais cette fois-ci, il n'avait pas disparu. J'avais donc deux portables. À ce moment-là, j'avais compris que j'avais trouvé par chance une faille. Le fait d'habiter à côté d'une frontière qui délimitait aussi le changement de fuseau horaire était une aubaine pour moi. Je ne sais pas pourquoi, mais le renouvellement de la boucle s'effectue à midi. Et les objets doivent prendre de l'avance sur notre fuseau horaire. Il me suffit donc d'amener les objets avant midi de l'autre côté de la frontière. C'est comme ça que j'ai accumulé beaucoup d'argent. C'est une source de richesse inépuisable. Mais cela devient épuisant car le moindre retard ou le moindre oubli et tout disparaît le lendemain. Je pensais que profiter de cet argent permettrait de m'épanouir dans cet enfer. Mais je suis bloqué ici. Je ne peux pas créer ni de projet, ni d'ambition, ni de relation. Je suis condamné à vivre sans elle. Seul. Alice ? Oui ? Vous êtes qui ? Comment vous me connaissez ? Tu me connais pas, mais moi je te connais. Pour t'expliquer, je suis coincé dans un paradoxe temporel. Et on a discuté ensemble hier au bar. Mais qu'est-ce que vous racontez ? Je vous ai jamais vu. Puis c'est quoi cette histoire de paradoxe temporel ? Je sais que c'est difficile à croire, mais il faut absolument que tu me croies. Non, laissez tomber. Vous dites n'importe quoi, j'ai pas envie de vous écouter. Tu adores Baudelaire ! Ce que tu préfères, c'est sa métaphore des aveugles. Ça te permet de comprendre la vision du personnage et sa psychologie. Comment tu sais ça, toi? Donne-moi 2 minutes pour te convaincre. D'accord, mais pas plus. Regarde cet homme. Il va faire tomber son portefeuille. Et l'autre qui est là, il va lui donner immédiatement. Ce
t'es pas convaincu, il y a un pigeon qui va tomber juste derrière moi. Ok, je te crois. Quelle heure il est ? 11h55. Ok, parfait. T'es sûr que ça va marcher ? J'en sais rien, on verra bien. Tu vas rien regretter ? Non. Je préfère être en prison et le savoir plutôt que de vivre libre dans l'ignorance. Alors on y va. Demain, on se retrouve ici à 10h, si ça va marcher. Bien sûr que oui, ça va marcher. Y a pas de raison. Allez. À demain. À demain. Joyeux Noël.